Bonjour les gens, et bienvenue dans ce petit stream du mercredi, totalement improvisé, même si je sais, je vous surprends de moins en moins à faire des streams le mercredi, vu que c'est un jour pour lequel je rentre plus tôt, et j'ai parfois l'occasion de jouer un peu. Donc on va démarrer avec The Outer Worlds, histoire de voir qu'est-ce qui nous attend de beau. Alors, juste me mettre 1 minuteur pour éviter de faire des vidéos beaucoup trop longues. Voilà. Donc la dernière fois, on avait réussi à raccrocher, enfin faire un saut dans l'hyperespace avec le vaisseau là qu'on avait hacké entre guillemets. Ah oui. Juste que tu passes en anglais le clavier. Captain, I shall now play the transmission I received from Dr. Wells. Docteur Wallace voulait nous parler. They found me somehow. They're about to blast my door open. I can't stop them from getting me, and there isn't enough time to explain everything. But there's something very important you need to remember. Oh. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're fucking corporate swine. You fucking pigs! I'll take you all out with me. I'll never. It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate as soon as possible. How can I be of assistance? Ok, donc le professeur s'est fait. Finalement, il l'a retrouvé, ce qui est pas bon. J'aimerais en savoir plus sur la colonie. Laboratoire orbital de Phineas. Ah, yes. As Dr. Wells is a wanted outlaw, he built his laboratory into an asteroid. Orbital destinations can be challenging to land on. His more so than most. Pas tant que ça, faut croire. Qu'est-ce qui se passe là, le jeu? Ah, il y a eu une mise à jour, donc le jeu a décidé de changer de résolution, ce qui m'arrange pas. Ok, un instant. Ouais. Juste un instant. Très bizarre ce truc. Les jeux dans l'Epic Store, là, ils font des choses assez étranges. Ok, ça devrait être mieux là. Yep. Désolé. Alors, ok, au revoir. Ok, donc le prof s'est fait capturer. Donc évidemment, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Phineas vous a envoyé une transmission évoquant les ports de la direction. Ça sent le message codé, ça. Est-ce que je peux y aller? We've arrived at Phineas's orbital lab. Vas-y, c'est parti. S'il y a des membres du conseil, on va les buter, c'est pas très grave. On va emmener Parvati et Sam, parce que je les aime bien tous les deux. Sachant que vous pouvez voir, il manque toujours un. Donc, toujours un compagnon. Ouais. Ok. Sauvegarder là ce que je viens de faire? Ah, t'as sauvegardé. On va voir qu'est-ce qui reste du labo de Phineas. Pour... Oui, ça part. Il y a un peu de fumée partout là.
Oh, il y a encore des vilains qui sont là. Écoute. Vous êtes encore là, les mecs. Vous allez crever. Eh, il fait mal, mon flingue. Hein. Vas-y, attaque. Bim. Toi, t'es mort. Toujours pas mort, lui? Aïe. Qui c'est? Qui est encore vivant? Ah, toi, t'es encore vivant. Non, c'est Parvati, ça. Voilà. Je suis en surcharge, là? Non, je suis pas en surcharge. C'est juste que le personnage se déplace lentement et j'ai jamais l'habitude. Rappel, balayer la cochonnerie, si tu le dis. Si tu le dis, l'ami. Mot de passe requis, ah, j'imagine c'est port, mais je vais quand même le pirater, histoire d'avoir plus d'XP. J'ai trouvé la solution, détail à venir ultérieurement. Ce ne sera pas facile à reproduire. Je vais avoir besoin de votre aide. Tous les matériaux nécessaires devraient être trouvables à Alcyon. Reste à savoir où exactement. J'ai largué mon nouvel associé sur la surface. Ah, mais ça c'est moi, ça c'est un vieux message. Ok. Donc, vu que c'est un vieux message, on va laisser tomber. Je t'ai fouillé, toi? Ouais. Elixir. Puis 10 assauts. Armure. Ça va le cochon? On peut parler au cochon, c'est très intéressant. Poubelle. Vous avez survécu 40 ans dans l'espace grâce à la seule technologie contenue dans cette chambre minuscule. Les autres colons sont encore endormis dans des chambres identiques à la vôtre, attendant patiemment que vous les rameniez à la vie. Ok. Écoute. Reçu l'arrestation officielle. Ok. Oui, il a beau avoir reçu l'arrestation. Ils l'ont quand même emmené, quoi. On va voir s'il y a des trucs à récupérer dans son bureau. Piratage. Veuillez saisir le mot de passe. Ouais. Comment je fais pour saisir le mot de passe? Je voudrais bien le saisir le mot de passe, mais il faut que tu me laisses le saisir. Sinon, ça va pas le faire. Y a autre chose ici ou pas? Code d'accès. Ah ok, donc Port, en fait, il a caché sa carte d'accès dans un cochon mort. Pour bien, c'est encore plus simple que ce que je pensais. Je vous, informe que Phineas Wallace, c'est-à-dire moi-même, a été sournoisement enlevé par l'abject et perfide gouvernement d'Alcyon et très certainement incarcéré sur la forteresse pénitentiaire de Tartare. Si je n'ai pas déjà été exécuté en vertu des charges retenues contre moi, j'espère que celui ou celle qui lira ceci trouvera le moyen de parachever mon œuvre ou alors de me libérer. J'admets avoir une préférence pour cette dernière possibilité. Cet écran recueillera mes dernières volontés ainsi que mes dispositions testamentaires. Je souhaite que mon corps et toutes mes possessions soient renvoyés aux profondeurs glaciales de l'éther. Si vous êtes bien à Ramenos, j'ai préparé un kit de premier secours dissimulé dans un compartiment secret. Déverrouillez le compartiment à partir de mon terminal pour en récupérer le contenu. Je peux lire aussi ces notes. Voilà, donc en gros, Alcyon a congelé tout le monde, ils disent que c'est impossible de les décongeler alors que lui il a trouvé un moyen de le faire sans problème. Le problème c'est... Ah, les cobayes, ils prennent un peu cher. Ouvre le compartiment.
Vas-y. Évidemment, avant de partir, on va fouiller un peu, voir qu'est-ce qu'il a chez lui, le beau Phineas, là. C'est quoi, ça? Ne pas taper sur la vitre. Joint instable. Putain, c'est rassurant, ça fait super plaisir. Parce que derrière, c'est un peu l'espace, quoi. Clé de navigation pour Tartare. Nice! Ok, j'ai pris un niveau, je sais pas pourquoi. La clé de navigation m'a peut-être donné de l'XP. Prendre un niveau. Ah oui, 31 000 points d'XP. Non, mais c'est n'importe quoi. Lance-grenade 2. Ouh, on a trouvé des choses intéressantes là. 31 000 points d'XP pour avoir trouvé une putain de clé. T'es sérieux le jeu là? Ok. Alors on va se casser hein, du coup. On va essayer d'aller le sauver sur Tartare. Je crois que c'est un peu la meilleure chose à faire. Alors avant ça. Parvati, tu as déjà un lance-grenade 2, Parvati. Ok, donc ça sert à rien que je te donne ça. Oh, ça c'est pas mal. Tu me diras, je pourrais l'équiper aussi. Parvati, t'es doué en quoi, toi? Tu peux pas avoir... T'es doué en arme longue ou quoi? Je peux pas vraiment voir. Hein. Écoute. Quoi comme armure? 34. 49, ouais, je pourrais te filer ça aussi. Histoire que t'aies un peu plus d'armure. Et l'armure standard, cela dit. Pourrait presque m'intéresser ça. J'ai quoi moi? J'ai une armure et j'ai un truc un peu naze. Voilà. C'est mieux. Arme de poing plus 5, ouais. Carrément. Voilà. Donc ça, c'est moi. Sam, je peux rien lui filer. Toi, du coup, qu'est-ce que je peux te filer? 34. Est-ce que j'ai un truc qui a plus que 34 d'armure ici? 33. Pas vraiment. Ton casque, 52. Oui, je doute que j'ai mieux que ça. Elle faut bien qu'elle résiste de toute façon, donc... Parfait. Niveau des armes. Au niveau des armes, je crois surtout que je vais équiper cette arme longue portée, là. Ouais, dégage-moi ça et prends ça. On est pas mal, là. On est pas mal du tout. 390. Est-ce que je peux te donner un meilleur truc, toi? 309. Ah, ça pourrait être intéressant. Mais je sais pas trop si je vais voir des robots après. Ou ça, ça étourdit en plus. C'est le genre de choses que j'ai tendance à aimer. Alors, on va développer nos compétences. Persuasion, on va se mettre à 100 parce que... Je m'appelle Joe Hatchatch. Il me reste 6 points, on va se mettre... 4 points en efficacité de piratage et il me reste 2 points. Que on va se mettre en... Ouais, le mettre en arme longue ou en arme de poing. Ouais, je sais pas trop. Intimidation, oui. Qu'est-ce qui se passe si j'atteins 80? Chance de critique sur ennemi avec effet négatif plus 20%. Ouais, j'aimerais bien atteindre 60 quand même avec les armes longues. Donc on va faire ça. Parfait. Et il va falloir que je me prenne un avantage. À l'arbre de perc, il est quand même petit. Hein. Tir pénétrant. Plus 100 kg de capacité de transport, ouais, je sais pas trop ça vaut le coup de prendre ça. Après avoir tué un ennemi, votre prochaine attaque est un coup critique garanti, ce qui peut être assez pratique, ça. Quand vous utilisez l'inhalateur, tous les compagnons chaos sont ranimés avec une petite quantité de santé. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ils ont souvent tendance à tomber par terre, mes compagnons.
On va faire ça. Vas-y. Parfait, il va donc falloir aller sur Tartare. On est où là? Toujours dans sa base à l'autre. Et ben on va aller sur Tartare. Tartare. Il est classe mon vaisseau quand même. Hein. Il est bien fat. Ok. J'en ai établi moi ici. On va voir si on peut améliorer un peu nos armes. Ouais. Alors. Les coupeurs plasma. Démanteler. J'ai pas trop envie de démanteler ça en fait. Enfin, ça, on va le démanteler à la limite, mais. Ça, je peux en garder qu'un seul. Ouais. Dégage-moi ça. Dégage-moi ça aussi. Ouais, dégage ça. Ça aussi, honnêtement, j'en ai pas besoin. Je pense qu'il est temps de dégager certains trucs. Ouais, dégage-moi ça, ça je vais le garder. Dégage ça. Je fais un peu le ménage parce que là, ça sert vraiment à rien. La persuasion, je crois que je suis à 100 de persuasion, donc on peut le dégager. Science, ça peut toujours servir. Ça, j'en veux pas. Ouais, non, laisse tomber. Leadership plus 5, ouais. Ok, on va garder tout ça. Bricolage. Est-ce que je peux améliorer ça? Oui, je peux améliorer ça. On va l'améliorer. 662. Pour l'instant, ça coûte pas trop cher d'améliorer tout ça. 725. Ah, je peux plus l'améliorer. Ça, ça me coûte 2000 par contre de l'améliorer. Et le flingue, ça me coûte 4000. Mais le flingue, j'ai tendance à l'utiliser plus souvent. Donc, on va améliorer le flingue. Ça, ça coûte 9000. Donc, non. Je vais lui améliorer son lance-grenade à elle. Ouais, ça aussi, je vais essayer de le pousser un peu plus. Voilà, allez, encore un one shot, voilà. Modifier. Comment est-ce qu'on pourrait modifier ça? Ouais. Le flingue, est-ce que je peux lui apporter des modifs? Mine de rien, le flingue, je l'utilise assez souvent. C'est bien ça. Vas-y. Meilleur ça. Déviation. Vas-y, on va le mettre, histoire de... De toute façon, il faut que je les utilise, mes améliorations, parce que sinon, je sens qu'elles vont, elles vont jamais être utilisées. Toi, on va t'améliorer aussi. Portée sonore, ouais. Ouais, ça je peux rien faire d'autre. Peut-être le gros fusil. Portée sonore. Il va être un peu plus silencieux, donc pourquoi pas. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Je pourrais peut-être t'améliorer. Améliorer rien du tout. Si, ton lance-grenade à toi. Lance-grenade électrique, ouais. Je sais pas vraiment ça vaut le coup de faire ça. Mon armure, est-ce que je pourrais me l'améliorer un poil? Ouais, vas-y. Mieux protéger, ça fait quoi? On recharge une partie de la TTT lorsque je fais un coup critique, ce qui peut être pas mal. Compétence de dialogue plus 5. Oh, complaisance de leadership plus 10, ça pourrait être bon ça. Ouais, vas-y, mets-moi ça. Attends, remplacer, mais c'est-à-dire que je baissais dans autre chose ou pas? Ah, vas-y. Scanner géographique.
Augmente la portée de surbrillance d'objets avec lesquels vous pouvez interagir. Je sais pas combien de trucs je peux avoir en fait. Ouais, on va laisser ça comme ça. Quoi, elle ressemble mon armure maintenant? Kit diplomatie. Ok. Attends, c'est bon ça en fait. Là du coup, ça veut dire que... Compétences... Ah, leadership. Ah ok, je suis à 40, mais... Je suis à 40 en efficacité, pas en réel. Ce qui fait que j'ai pas le bonus là. Dommage. Ah bah on va se casser. 74 sur 110. Pas mal. Captain, as it appears we may soon be embarking for a maximum security prison planet, I believe the crew would like to speak with you to, as you humans put it, air some... Ok. Alors le crew veut me parler. Well, folks, I ain't exactly keen on busting into a prison, but riddling bored stooges with bullets does sound like a ride and a half. Ok, Sam et Nyoka sont rapides. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. Alors, qu'est-ce qu'il a de terrible, ce labyrinthe? The labyrinth is a massive maximum security prison on an uninhabitable planet. Being incarcerated there is seen as a fate worse than death. Still, we can't do nothing. It wouldn't be right. The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly sophisticated. As such, escapes are historically quite impossible and deadly. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Breaking into Tartarus will not be easy. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Trust me, I know. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into Tartarus, you may be there alone. Okay. Or permanently. Alors, on va y aller, mais pas tout de suite là-bas. Il faut qu'on se prépare. Can you prepare? Sure. Guess I could give my ass-kicking boots another coat of polish. Il est chiant, lui, hein. You got some sort of plan in mind? J'ai jamais eu de plan et c'est pas maintenant que ça va commencer, mon gars. Thinking on your feet's more important anyhow. Yes, who needs a plan? Parfait, vous êtes content? Bon, maintenant on va aller... Ça, c'est une façon subtile de me dire « Eh, la dernière partie du jeu, de la quête principale du jeu, se trouve dans la prison de Tartare. » J'imagine que c'est ça, en tout cas. On pourra aller en profiter pour faire une petite quête ou deux. On va peut-être prendre un niveau de plus. Je suis comment, là, sur le niveau level up? Encore un peu loin de mon niveau, je pense. C'est où qu'on voit le... Ouais, ça va être un peu long, ça. Le conseil répulsion. Vraiment, le conseil me déteste. Je suis surpris, je suis très surpris. Alors, on va se casser, mais avant, j'aimerais quand même bien voir s'il n'y a pas une petite quête intéressante à faire avant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le vin saphir. C'est vrai qu'il y a la quête de Parvati, je pourrais faire la quête de Parvati, l'homme creux. Trouver le terminal de sécurité sur le précurseur. Alors, faut que je retourne sur le précurseur, ça me tente vraiment pas. Palais des glaces. Vas-y, on peut faire ça. Et si tu veux un Félix, ouais, mais je sais pas, je vais pas jouer avec toi pour l'instant. Vas-y.
Faut activer un truc sur la station pour que pour permettre le contrôle à distance par je sais plus quelle faction là qui m'a engagé. On va y aller. Nyoka et Sam, c'est parti. Nyoka et Sam. Parvati et Sam. Allons faire ça. Calme ici. Beaucoup trop calme en fait. Ça cache quelque chose. Surtout que je peux faire péter ce truc là. Ok. Là il y a un robot. Et des munitions, bagues, ornées, ok. Vas-y. Impossible d'accéder à la cassette à distance. Réinitialiser l'alimentation. Alors. Terminal de déverrouillage. Rétablir le courant. Allons rétablir le courant. Ouh, j'aime pas ça. Hop, on loot, on loot. La chasse au loot. Ça, j'en ai peut-être pas besoin. Ça non plus. Ah, ça c'est fermé. Oh, je vois plein de points rouges là. Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui se réveillent. Le mode maintenance est activé. Modifier le mode du générateur normal. Activation d'éclairage, recycleur. Ok. Réparer la chasse d'eau. Ok. Je peux rien faire d'autre. Oh. I see you have activated your holographic shroud, Captain. Excellent. Becoming indistinguishable from an authentic UDL trooper will prove advantageous to your current situation. Si tu le dis. Qu'est-ce qui se passe, Adair? A UDL vessel has been tracking our position and just recently docked with the station. They are patching into the station's transmission lines now. I cannot stop... I've been waiting for this day since we tagged your ship in Cascadia, Captain. Wait, who are you? No one told me we had security forces deployed on the station already. Alors, intimidation, persuasion. Mon équipe a déjà pris le contrôle de la situation, soldat. Votre escouade peut rentrer à la base. Roger that. Allez, casse-toi. Just as a precaution, I'm sure you won't mind if we turn on the station security systems. Can't be too. Non, j'ai pas envie. We hate to leave this location undefended after a close call with outlaws. Il va falloir que je me tape tout ça. Je peux lui mentir. J'ai déjà réactivé les automatiques. Vos détecteurs doivent avoir un problème d'actualisation. Hmm. That should have been fixed by now. As you say, we'll just head out then. Safe travel, soldier. Ok. C'était facile. They appear to be departing into space. Say words have power. You proved him true. Ok, donc ça c'est fait. Comment j'ouvre ça? Comment j'ouvre ça? Salut Cyrim sur le chat. Il faut que j'aille ici, donc je trouve une façon d'y aller. Ça c'est verrouillé. Par là. Barricadé ça? C'est quoi, je veux tous vous buter? Honnêtement, ils sont tout pourrables.
Ça me fera du monde en moins à buter. Échec du déguisement, tu m'en diras. Tu m'en diras, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Salut Treko sur le chat. Écoute, ça va très bien, merci. Ouais, barricader encore, putain. J'aimerais bien pouvoir faire cette quête là. Shit. Le sol est traître, vraiment? On va déverrouiller ça vite fait. Les challenges dans ce jeu sont assez rares, je dois avouer. Hein. Utilisation impossible en combat. Quel combat? Faut ma gueule là, y'a pas de combat. Visiblement, il y a un combat. Ok, donc ça, ça fait mal. Ok, je sais pas ce qui lui est arrivé, le jeu, il a craqué. Routine de sécurité. Désactiver la sécurité du poste du contrôle. Merci. Fichier personnel. Archive maman ours, parce que pourquoi pas. Ok. Bon. C'est même qui dit, j'ai commencé Pillars of Eternity, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal Pillars. Parfois ça parle un peu trop, mais c'est pas mal. Ce truc que j'aime pas trop dans Pillars, c'est les combats sont quand même un peu fouillés en fait, sur le long terme. C'est un poil bourrin. Mais sinon c'est très sympa. Ok. Merde, Sam, je vais pas te taper dessus là, t'inquiète pas. Voilà. Qu'est-ce que t'as à chouiner là? Et juste faire péter ça, hein, c'est tout. Quoi ça? Docteur James Guthrie. Et nous avons un docteur qui est en train de flotter. Docteur Claire. Beaucoup de docteurs ici. Un milliard de loot encore, parce que ce jeu propose une quantité de loot assez ridicule. Ok, c'est ici qu'il faut aller. D'accord, on arrive là. Hop. Adreno. Routine sécurité. Piratage, déverrouiller les quartiers du personnel. Modifier les protocoles d'accès au système. Insérer la cartouche de déverrouillage de Sublight. Et voilà, ils vont pouvoir le contrôler à distance. Êtes content? Morale des troupes. Morale 1. Climat de méfiance dégradé actuellement les relations entre les chercheurs et le personnel de sécurité. Fort bien, je m'en fous un peu de tout ça là. D'autres histoires. Ah ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah on peut se casser. Yassos, je pense qu'on a fini la quête. Et voilà. Maintenant il faut qu'on retourne voir Lilia machin chouette là. Ok. Ouais, ça attendra. Précurseur. Allons sur le précurseur. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. Ça m'arrange de venir là. Je pourrais vendre quelques conneries comme ça. On
entendre quelques conneries, ça va m'arranger. Après, je pense qu'on va foncer vers la fin. J'ai pas spécialement envie de faire plein de quêtes secondaires. Pour ceux qui ont suivi le let's play jusqu'à présent, vous avez pu voir que mon enthousiasme pour le jeu diminuait au fur et à mesure que j'avançais. Donc je pense qu'on va se concentrer sur l'essentiel. Si après on peut continuer, tant mieux. Mais... Je suis quel niveau là en plus? Niveau 24, hein, c'est pas trop mal. On va voir. Il y a une petite quête toute facile à faire dans le coin, pourquoi pas. Ça va mon équipe? Vous avez une Dayan, je vous adore quoi. Yo! J'ai fait ce que tu m'as demandé. Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Well done, Captain. Merci. Alors, vous trouverez également des automécas abandonnés qui attendent sagement leur nouveau propriétaire. I'll have those dismantled. You can never be too careful when moving into someone else's territory. Ok. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? Une navette d'assaut de l'UDL a appelé, mais je les ai convaincus de repartir. I knew it. They've been shadowing us since Monarch. T'inquiète, ils se sont cassés. I've been less than honest with you. Your assignments weren't strictly about the salvage business. We might have figured that out already. Perspicacité, parce qu'évidemment je suis quelqu'un de perspicace. Un laboratoire qui teste un gaz rare sur les individus, ça ne pouvait pas être une coïncidence. You have an eye for patterns. Good. We need more contractors like you. After the Monarch job, I started connecting the dots. I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big, something none of us were meant to know. Vous avez mon intérêt, maintenant vous avez mon attention. Glad to know it, Captain. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Alors, oui, ils voulaient juste éviter que des pirates comme Sublight ne puissent mettre la main sur leurs précieuses recherches. No, they were hiding something the colony isn't ready to know. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? Ok, vas-y. Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084, and who knows what else. We have to put a stop to it. Ok. Hear me out. I'm saying it's aliens. Ouais, je t'ai entendu. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. This doesn't feel at all right, Captain. Your crew is skeptical. That's good. I don't want you walking into the unknown with blindfolds on. I assume you have questions. Faisons plutôt. Vas-y, j'ai quelques questions. Before we see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting down. Quand vous dites extraterrestre, vous pensez à quoi? Conspiracy, one carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with Halcyon biology to twist us, change us, make us more like those monsters on Monarch. C'est ça, on parle de petits symbères de poupée. Je n'ai vu aucune preuve de présence extraterrestre. No kidding. That's how they want it. When I lined up the evidence in my spreadsheet, there was only one possible conclusion looking back at me. This is my data talking, not my anxiety or lack of sleep. Ok, ça suffit. Dites-moi ce que je dois faire. Dr. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species,
I need you to put a bullet through her skull. Alain. Pourquoi est-ce que le docteur Chartrand veut mourir? She's a research scientist and a damn good one. Before UDL poached her, she engineered a 0.2% increase in cysty pig juiciness. Now she's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. Et quand ce blight a des principes. It's cute that you'd think that about me. I just want to add savior of humanity to my resume. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Les laboratoires que j'ai visités n'avaient pas l'air si terribles que ça. Do you usually come across innocent people trapped in suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Just imagine okay. The experiments she carted off to her next lab. Ok, ça a l'air tordu. Vas-y, je vais le faire. This key card will get you through the front door of her Byzantium estate. Don't ask how I got it. You might not like the answer. By now, the other side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Ok, je vais lancer les pirates, mais j'avoue, une scientifique qui fait mumuse avec les... avec les corps humains, c'est pas génial quand même. Donc on va aller la buter, hein, parce que ça me paraît être une très bonne idée. Je l'aime bien l'autre là, il y a machin chouette là. Et cool, elle va droit au but. Bon, elle nous parle un peu d'extraterrestre et tout, mais en même temps on vit dans un petit... c'est pas dans un... certains futurs, le jeu, et vu les espèces de monstres qu'on croise, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'extraterrestres. Hein. De toute façon, on va peut-être partir du principe que la race humaine est la seule existante. Hein. Je n'ai pas trop de problèmes avec ce genre d'imagination. Quoi qu'il y ait, il me tente depuis un moment, mais j'hésite à l'acheter. Oh, Pillars of Eternity, c'est bien, hein, c'est un bon RPG. Alors oui, non, il faut que je réactive la carte. Vas-y, on va aller buter la scientifique. Byzance. Quoique, je suis en train de me faire The Witcher 1. J'ai jamais aimé The Witcher. Captain, je sais que c'est... my commendations for convincing the UDL's gunship to leave HRS-1084. Ok. Je sais que The Witcher est une franchise qui est populaire. Mais j'ai joué au 1. D'ailleurs, le 1, je l'ai fini, je crois. J'ai vraiment pas aimé. J'ai tenté de jouer au 2, j'ai vraiment pas aimé. J'aime pas le héros, j'aime pas les mécaniques de jeu, j'aime pas la maniabilité. Donc, ouais. Pareil que le 3 est génial, mais j'ai pas spécialement la patience de m'y mettre. Ni l'envie, en fait. Fais pas chier, toi, ici, hein, depuis un bout de temps. Alors... qu'est-ce qui se passe? Ok. On peut pas faire un déplacement rapide sinon? Impossible pendant un combat. Il y a idée de se bastonner là. Où est-ce qu'il y a un combat? Ah! Ici! Il est mort! Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites? C'est bon, je pense qu'il est mort, mec. Ok, on va l'aider par Vati. Je sais pas pourquoi vous avez décidé d'attirer toute l'attention sur vous, là, mais... oh, joli tir à la grenade.
Ça, je vais pouvoir looter ça sans problème. Voilà, on vole tout. Ça me fait penser qu'il faudrait que je revende mon bazar aussi. J'ai un milliard de conneries là. Alors, on va faire un déplacement rapide parce que j'ai la flemme de me déplacer. Encore un combat, t'es sérieux? Où tu vois un combat toi? Ah, fais chier. Plus de combat là. Voilà. Et qui dit, le principal reproche que je fais au jeu, c'est le temps que tu mets pour aller d'un point A à un point B. De quel jeu tu parles? Pillars? Pillars, les zones sont pas si grandes que ça pourtant. Ah ok, donc ils ont décidé de tous nous détester. Bon, c'est pas grave, hein, on va vous buter. J'ai pas de problème à tous vous flinguer là, non, vraiment pas. Il y a les mecs de la corporation, mais alors j'en ai vraiment rien à foutre. Qui c'est qui me tire dessus là? Ça y est, c'est fini? Bon. Ok. On va aller voir le docteur Chartrand. Il m'aime vraiment pas la corporation. Alors. À quoi elle ressemble la nouvelle arme que j'ai équipée? C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Area assessment. Spick and span. Effectivement, c'est très joli. Ok, elle est en bas, le docteur Chartrand. On va aller au sous-sol, hein? Très très beau chez toi, docteur Chartrand, là. CD. Je vais permettre de tout voler, hein. Rapport. Qu'est-ce qu'elle dit avec compromise? J'ai reçu un passage indiquant qu'un utilisateur non autorisé avait consulté les dossiers sur mon terminal de Cascadia. Ouais, c'est moi, et j'aime pas trop me faire appeler un maraudeur avec deux neurones. Et Pierre Crane se confirme, SRH-1084 a été saccagé, que sont devenus les caissons de Stas et mon équipe? Faire un transfert. Les premiers extraterrestres. Accès au laboratoire. Déverrouiller l'entrée. Voilà. C'est ça? Nice! On va aller rendre visite à les scientifiques. Elle aussi, elle dit qu'il y a des extraterrestres. Un gros fusil là. Wow, look at the size of this basement. That's far enough. What are you doing here? How did you even get inside? Alors, vous ne m'arrêtez pas avec vos pouvoirs mentaux d'extraterrestres. C'est moi qui pose des questions. You're in my house? And I'm not fucking around. Start talking. J'en ai rien à branler. Lilia Hagen m'envoie pour vous tuer. Hagen? I've never heard of her. Is she from the board? Damn it. I knew this would happen. Lilia, elle est présidente de Sublight Démantèlement sur le précurseur, une bonne chef d'entreprise juste un peu tordue. That's a gentlemanly way of putting it, Captain. This is utter nonsense. I've never even been to Groundbreaker. Vous avez été à Cascadia et sur la station 1084. Je connais tous vos sales petits secrets. What happened to the team? Tell me you didn't move their suspension tanks. Putain, les réponses. Il y a pour consigne de balancer vos amis endormis dans l'espace si je ne reviens pas. I'll tell you everything, just don't hurt them. Too many people have been harmed on my account. What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. You can write me up in your report. It hardly matters.
I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. Il y a toujours des gardes des corporations chez vous. It seems I have you to thank for my current house guests. Alors, c'est fascinant, mais ça n'explique pas les recherches que j'ai trouvées. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. So, the board let me approach the problem from a different angle. I believed that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the ability to derive sustenance from the nutrients the food does have. Et tout ce que vous avez réussi à obtenir, c'est un laboratoire plein de collègues en conserve. I know. I was there. Thomas was the first to take the gas. A simple test, he said. I told him not to, but he insisted. We learned a lot from his autopsy. Enough that we could try it on each other and know when to stop. No one else died. I must find a cure so his sacrifice isn't in vain. C'est surprenant que le conseil ne vous soutienne pas davantage. There are other teams. We didn't want to experiment on human test subjects, so we used the only resources we had. Each other. I'm desperate. I've already asked all the best institutes on Earth for help. Years ago, we sent a message out on the Cornelius Vanderbilt, but heard nothing back. Cornelius Vanderbilt, c'est pas l'un des croiseurs qui patrouille dans Halcyon? It's been missing for over 2 years now. They never reestablished contact after the skip to Earth. Of course, the board is keeping that under wraps. How'd you lose half a pair of ships like it were a sock? The board is uneasy about letting the colony know, seeing as half of their military force vanished without a trace. Mm-hmm. Yeah, vous voulez que je déjoue un complet, mais on dirait qu'à la place, j'ai trouvé l'opération de dissimulation. I prefer if you didn't use my name when you talk about this. My contract has a list of very terrible consequences for breaking secrecy. C'est parlé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le conseil va adapter toute la population d'Halcyon. Once we can replicate a success, the board will move to rewire our nucleon. With any luck, our next generation will be eating and thriving off Halcyon crops. Ouais, non, j'en veux pas de thé. You really think the board got our best interests at heart? I mean, they say, but... Non, le conseil s'inquiète pas du tout. We haven't made enough strides to advance the plan. Ouais, mais j'ai pas envie que tu fasses tes recherches à la con, là. But we have to keep trying. C'est une histoire incroyable, mais Lilia Hagen veut quand même que je vous tue. If I die, there's no one who can reproduce our work. Every sacrifice will have been for nothing. And we'll be no closer to a solution that feeds the colony. Alors... Sam, oserais te demander ce que tu en penses. Vous connaissez Phineas Wallace? Vous devriez travailler avec lui une fois que je l'aurai sorti de prison. The one on the wanted posters? They say he's an anarchist. Eh non. A madman, a butcher. I'll do it. Doctor! What choice do I have, Commander? Vous êtes facile à convaincre. If working with Wells is the only way I can save the colony, then I will damn well do it. I need to get out of here. Phineas can contact me when he's ready to work together. For now, I had better pack up the lab and head somewhere discreet. Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance. Hell, it's beyond mine. Toi, on va te buter, mec, hein. One reason why I should let you walk out of here alive. Parce que vous n'aurez pas à traîner mon corps dehors. Je n'en vois aucune. Et voilà.
Et voilà. On va travailler avec Phineas, donc ils vont faire des belles choses ensemble. Bon, je vole tes affaires, ça te dérange pas, hein, j'espère. What do you think you're doing? Elle a pas l'air de kiffer. Mais rien du tout. Oh. I guess, Ah oui, c'est pas grave. Je vais me projeter. Elle me voit ou pas? Bon, ok, en tout cas, elle ira travailler avec l'autre là. Si, on peut toujours voter. Je te mets la commande tout de suite. Attends. Voilà. Ouais, je vais éviter de voler des trucs. Ouais, c'est bon. Cool. Maintenant, on peut se casser. Alors, retournez voir Lilia Hagen. Du coup, on va retourner la voir. On va lui expliquer ce qui s'est passé. Elle va peut-être pas être très contente, mais au moins elle aura vu que on aura relativement bien compris. On aura pris le temps de comprendre un peu ce qui se passe. On retourne à notre vaisseau. À proximité d'ennemis, t'es sérieux, il y a des ennemis ici. Oh, chier. Pas d'ennemis. Regarde, ils sont loin les ennemis. Non, hein, tu vas me faire chier. Putain. Ah, ça me saoule. Ça va, Sam? Non, tu veux pas me laisser rentrer rapidement au vaisseau. Écoute, c'est pas grave, on va les buter. Il reste plus grand chose pour ce bonhomme. On va crocheter ça tant qu'à y être. Hop là! J'aimerais bien pouvoir revendre 2-3 conneries. Ils ont pas l'air d'être contents de me voir là. Ah bah non, mais là, si le barman tu meurs, moi je fais comment pour revendre mes conneries là? C'est un peu le bordel là. Toi t'es mort. Et toi t'es mort aussi. Ouais, quelqu'un d'autre qui me... C'est bon, c'est fini? On peut vendre. Ouais, mais du coup. Bah ouais, mais il est mort ton patron là. ...150 mètres. My dear fellow. Yep, timer. Oh, écoute, ils ont décidé de tous me pourrir, donc on va tous les pourrir, hein. Je suis pas vraiment à ça près, là. Ah bah, il y a une machine, là, je vais pouvoir vendre mon bazar. Voilà une bonne nouvelle. Alors, vendre. C'est l'heure de vendre plein de conneries. Ah, vend ça. Ça aussi. Ouais, vends le gros fendoir. Ouais, vends toutes ces conneries, là, j'en ai pas besoin. 9, lourde. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Ok. Pardon. Ouais, revends toutes ces conneries là. Tout
Toutes les boissons, je les bois pas, ces machins, donc ça sert à rien. Je les bois jamais, ces trucs-là. Stimulant nasal. Ah, pourquoi pas, vas-y. Vends tous les rebuts. Voilà. Aussi, tu peux en vendre un peu, hein, honnêtement. Voilà. Ouais, vends ça. Augmenter la santé de base, ça peut être pratique. Je l'ai déjà là. Capsule de... Ouais. Vends ça aussi. Ça, je m'en fous de la déviation d'armes, honnêtement. Ça aussi. Voilà. Parfait. Bon. Je peux aller à mon vaisseau ou pas? Ah putain, sérieusement, il va jamais pouvoir m'en... Il va jamais pouvoir m'envoyer mon vaisseau. Salut Django sur le chat. Où est-ce qu'ils sont? Il faut que j'aille par là, écoute. On va marcher, hein, c'est pas grave. On va buter tout ce qu'il y a sur le passage. Yo! Ouais, t'as pris cher, hein. Oh, vas-y, on se casse, là, ça commence à me gaver. Ils s'en foutent. Drone publicitaire, ils s'en foutent. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est sale, ce qui se passe derrière nous. Bon, c'est bon, on peut... Non, hein, toujours pas. Faut que je descende, là, je fais comment? Avec l'ascenseur, bien sûr. Juste être dans le vaisseau pour pouvoir sauvegarder et faire une petite pause d'une minute. Histoire qu'on coupe la vidéo, là. Ça va les gens, les enfants? Vous êtes bien, là? Vous êtes bien? J'ai une toute petite arme, moi. Voilà. Allez, je vais me mettre devant le vaisseau. Ou même dans le vaisseau. Et on se casse. Parfait. Cool. Ok. Donc ça fait une heure que je joue. Je vais faire une petite pause d'une minute. Et on reprend juste après. À tout de suite.